Bonsoir, alors on a... Bonsoir, excusez-nous, mais on a raté le son. Et du coup, il y a Roman qui a fait les sous-titres. Cringe. En fait, si tu réfléchis bien, ce kebab, c'est un peu comme un voyageur temporel. Parce qu'il y a 500 ans, il y en avait, et dans 100 ans, il y en aura encore. Oh le bâtard, il nous a vu naître et il nous verra crever. Bon, enfin, il vous verra crever. Hein. Moi, je suis le plus jeune, je mourrai en dernier. Sur le dernier avant un kebab, moi. Mais déjà, vous pensez, on mangera encore des kebabs quand on sera vieux? Imaginez, on est dans le turfu. Moi, je pense, ma meuf dans le turfu, elle fera des kebabs. Du kebab? Ouais. Femme kebab, quoi. Ouais, mais genre, la Jasmine du kebab, quoi. Le gros lot, quoi. Alors, autant. Femme à lunettes. Femme à que. Arrête. Toi. Tu sais ce que t'allais dire, t'es un peu. Non, pas de poivre ici. Ouais, c'est dommage que. Plus tard, on ira au kebab, mais sans doute. Pourquoi? Bah, tu seras mort bien. Quoi? Ouais. T'as vu ce que tu manges maintenant? Tu feras jamais mon film. Ouais, parce que vous venez pas autant que moi. Mais toi, t'es gros. Je suis pas gros. T'as encore des mâches, mec. Ça fait craquer les femmes, ça. Ouais. Ça fait craquer que les boutons. Ouais. Vagues de chaleur, extinction d'espèces ou encore diminution des calottes polaires. Le GIEC prévient, si le réchauffement climatique dépasse 1 degré et demi, les impacts seront catastrophiques. Le risque de... En vrai, le réchauffement climatique, je suis pas trop contre. Je veux dire, j'aurais moins froid. Les kebabs sont toujours chauds. Oui. Dire la mer en France. Ouais, enfin, les meufs s'habilleront moins, quoi. Ou les mecs. Moi, je vous dis, ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre-toi sur le moment présent. Eh, ça, c'est Enrico, ça. Enrico? Macias. C'est Bouddha, gros. Mange tes kebabs, Bouddha. Au revoir, merci. Au revoir, merci.